Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. Algérie, Chengriha a perdu le Chan. Le Chan qu'il avait commencé par une grave hostilité au Maroc et qu'il termine par une tristesse avec une défaite hitchcockienne des jeunes Algériens de l'équipe nationale locale d'Algérie. Le Sénégal brise le rêve algérien et remporte le Chan. Le Sénégal a remporté samedi soir son premier championnat d'Afrique des Nations Chan en s'imposant au tir au but, 5 buts contre 4 devant l'Algérie après un score nul 0-0. Au bout de 120 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité. L'équipe de football locale du Sénégal a remporté son premier championnat d'Afrique des Nations en s'imposant samedi 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger devant l'Algérie, 5 buts à 4. Les locaux sénégalais emboîtent donc le pas à l'équipe première, vainqueur de sa première CAN il y a juste un an. Et voilà que le football sénégalais débute l'année 2023 avec un sacré comme il l'avait commencé celle de 2022. À deux jours de la célébration du premier anniversaire de la première victoire à la CAN, les Lions de la Teranga ont ramené d'Algérie un trophée pour rendre la fête encore plus belle. Les hommes de Pap Thiaw n'ont pas manqué de courage et de combativité lors d'une finale historique, tout comme ceux d'Aliou Cissé en remportant le premier Chan de l'histoire du football sénégalais. L'Algérie n'a toujours pas ce titre dans son palmarès africain. La 7e a été remportée par le Sénégal. Voici donc le palmarès du championnat d'Afrique des Nations. 2009, RDC. 2011, Tunisie. 2014, Libye. 2016, RDC, Congo. 2018, Maroc. 2020, Maroc. 2022, Sénégal. Félicitations donc à nos frères du Sénégal. Quant à l'Algérie, ce n'est pas les joueurs qui ont perdu, ils n'ont pas démérité. Ce n'est pas le peuple qui a perdu, mais c'est plutôt Chengriha qui a voulu politiser cette chaîne en étant hostile au Maroc et en tentant de toucher son intégrité territoriale en ramenant le petit-fils de Nelson Mandela déclarer la guerre au Maroc, et voilà qu'il commence par une grave hostilité cette chaîne, et il la termine par une tristesse. Ceci l'empêchera de manipuler toute victoire du peuple algérien à son profit, lui qui cherche par tous les moyens à éviter la descente du peuple dans la rue, de peur qu'il y ait un nouveau Hirak, synonyme de sa disparition du pouvoir et du départ des militaires pour qu'ils retournent à leur caserne.